dossier qui concernait Cité Soleil. Mais écoutez, moi j'ai une vidéo qui arrive joindre moi là, vidéo ça. N'a fait une émission spéciale avec lui. C'est une vidéo qui durait environ 2 minutes. Vidéo côté que bandit Jean-Denis. Yo kembe yon citoyen nan sa vie. Citoyen ça, yo accusé le comme quoi c'est lui même qui a bay antenne sous nek Jean-Denis. Dans vidéo ça, ou a broué côté que citoyen gagné yon pantalon noir sous lui. Est-ce que c'est une chemise blanche qui sous lui? Li kembe vesti nan men et puis nan doli gagné un criminel endurci qui habillé ak yon chemise rouge. Après quelques minutes de marche, yon rive yon côté, citoyen posé en question. Apparemment, il demandait qui côté pour le faire. La réponse, bang, 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 yon touyel. Mais comment mon ap mouri dans le pays d'Haïti? Ou imaginez par le fait que te gen en bataille, nèg sa vient yo pour te bourrer, yo jwenn un jeune garçon, yo touyel innocemment. Et puis un petit temps après, on est capable de dire, yon jour après, c'est tout paneg Jean-Denis qui kebe citoyen ça qui dit que c'est antenne la baye. On en font ti gade vidéo. Ça c'est on non prend. Ça c'est on non on prend. Oui. Ça c'est on. C'est quoi Paul avec ça vient on prend monsieur. Oui. C'est quand ça vient on prend monsieur aujourd'hui. Ça m'a coulé au criminel. Ça m'a coulé au criminel. Ça m'a coulé. Ça m'a coulé. Criminel. Ça m'a coulé. Criminel. Monsieur criminel, ça m'a coulé, oh criminel, ça m'a coulé, oh criminel. Criminel, ça m'a coulé, oh criminel, ça m'a coulé, machette, criminel, ça m'a coulé, criminel. Ça m'a bâillé mon chat aussi. Criminel. Ça m'a coulé. Criminel. Ça m'a coulé. Mais ça qui pire mal là, c'est que Negio fin tiré. Et puis aussi mes manchettes. Donc, vidéo ça, tu es capable de dire qu'il y a un couilloté sauvage. C'est la barbarie. C'est la criminalité dans la dernière dimension. Nous finis par ouais degré méchanceté moun sa yo. Comme si pour genre de bagay sa yo a passé dans pays d'Haïti ou gen un premier ministre qui pas jamais dit rien. C'est comme si la république a marché rien pas dit rien. Population la gen pou kont li, population pa gen moun ki pou parler pou li. Non ouais ça qui passé dans Cité Soleil. Nous pral vini tout à l'heure qui ont bilan qui pas exhaustif par rapport à la bataille cité, mais nous sommes capables de dire qu'il y a presque 300 personnes qui perdent la vie dans 4 batailles ici. Bandit et innocent. Nous avons tourné sur Cité Soleil. Mais, monsieur, alors monsieur, dame, qui est dans le gouvernement, genre de image ça,
yo pas arrivé sous nous parce que m'pa kwè nous pas wè image sa yo si nous pas ta wè yo connaît que nous pas vivre dans pays a même parce que les dirigeants yé ou gon jan pour comporter ou gon jan pour yé ou gon jan pour veiller sous population Ariel ou veiller sous population hein? Ministre justice n'a veiller sous population hein? Ministre intérieur chef de la police parce que c'est nous mêmes qui dans CSPN Conseil supérieur police nationale nous pas fait rien donc nous quitter moun a tombé dans pays a pas si pas là à gauche à droite rien nous pas jamais dit. Oh ça qui fait mal les gars ont catastrophe à l'étranger les gars ont fusillade qui fait dans pays étranger les gros bagages qui passaient dans pays étranger premier monde qui là qui pour tweeter ou bien pour faire déclaration c'est Ariel Henry. Finalement peuple haïtien m'a demandé mais est-ce que nous pas comprendre jeu là Ariel c'est un étranger pour nous Ariel c'est un occidental qui lui-même vient faire job patron Lio. Nous même peuple haïtien n'a crevé et n'a continué crevé et m'pa konn ki la situation a changé pour nous comme si tendez bien mes amis deux groupes à bataille groupe ça a gen chance l'hypothé bourré sur un parti dans territoire l'autre groupe là les jeunes ont jeune garçon qui par contre nan main zam d'après information qui rive jeune moi yo touyel et yo coupé tête li nous te wè dans émission me fait hier là côté que moun yo a crié yo joine jeune garçon sans tête ça veut dire yo à la tête yo et puis un petit temps après ces groupes adverses là lui-même qui a la chasse et les jeunes citoyens, il dit que citoyen ça c'est les mêmes cap bay antenne sous nek Jean Denis. Yo prend mais ça vous fait avec. Aïe aïe aïe. Bagay yo red dans pays d'Haïti. Moi à chaque fois on nek ou fait déclaration ou bien on voit un message ban moi pour attribuer à qui un groupe de gang, m'pense que ou méchant pile. Donc hier, gen un citoyen qui voit un message sous téléphone moi, il dit que ah c'est groupe gang ou ap défend nous même. Moi c'est iso ap défend. Mais ouais citoyen ça, sa, sac belle là, numéro téléphone ni c'est étranger. Walma on en pays étranger, c'est pas vrai parce que pays a pas bon. Moi même m'rete la donne. M'ap goumé. M'ap bataille. M'ap mande nèg yo pour entendre yo. Mais ou camper ou dim c'est groupe gang m'a appuyé. Et ben bon m'dou, si c'est attitude ça nous gagne, il y a pas changer parce que j'ai l'impression même ou même qui fait déclaration ça pour Ariel son bon monde. Elles sont pas comprendre. Pour ou, peut-être l'autre groupe gang qui m'pa supporter a c'est bon monde qui l'a dedans. Et ben nous pas jamais changer. Nous pas jamais avancer. Les par exemple G9 fait un massacre en Cité Soleil. Ou bat bravo. Eh ça veut dire depuis m'dil, on compte G9. Les par exemple Gabriel a fait une série de exactions dans la cité. Depuis que je dénonce, je suis dans Genève. Haïtien, comprenez. Je vais tout signaler. Ça veut dire que je ne suis pas en contact même. Sous un commentaire, sous channel là, je vais quitter le commentaire. Je vais quitter l'autre monde répondre. Mais depuis que c'est sous téléphone, pam, 33 26 64 21, vous voyez un message, je vais tout bloquer. Parce que Jean Paye est là, m'pa ka occupé moun k'ap fait la partie marché, k'ap di vie parole parce que son pays n'a besoin fait. Tant que Jean Zoti David toujours dit ça, c'est pays n'a fait. Mais ça fait mal pour moi. Conseil de moun k'ap parler pour pays a, et bien c'est eux même qui bête sauvage, nos méchants. N'ap kito avec invité du jour nous, Manuel Yves qui pral faire le point avec nous. Bonjour Yves Manuel, bonjour Haïti, bonjour diaspora. C'est avec plaisir pour nous recevoir dans l'espace là et Monel et pays à vivre en situation extrêmement difficile. D'abord, comme qui j'en comprends ça qui a déroulé dans le pays à cette heure-ci. Bon, il y a un climat d'insécurité dans le pays, un climat de terreur. Et m'a voulu un mot spécial à l'Université Soleil. Mon Matissan, mon Grand Ravine, mon Kole Bouke, qui est victime. Il a apparaît
sans réponse. Et l'État apparaît impuissant pour capable résoudre crise là, notamment phénomène insécurité là, et un peu le monde critiquer l'État qui n'a pas fait intervention en danse depuis que le groupe armé n'a pas affronté. Et vous pensez qui est capable d'empêcher l'autorité concernée de faire des interventions et aider la population civile qui n'est pas capable encore? Yves Manuel m'a rappelé pour vous que l'autorité hérite. Pour hériter des problèmes là que va pour gain pour responsabilité résoudre, mais il est clair que pour mais la police ça par rapport avec le pays là parce que pas gain moyen pour capable répondre pour faire face pour contrecarrer bandit. Nous croyons que le gouvernement qui là a fait gifo pour capable résoudre problème ça parce que il fait demande moyen il fait il veut yo aller faire achat des équipements pour police là et nous pensons que ça cap porter un souffle à ça mais map du Manuel Yves crise politique là joue un gros rôle dans dégénérer et question sécurité dans le pays. Et moi crois que tant que pas un dialogue qui fait dans le pays, tant que tout acteur pas d'accord chita ensemble pour résoudre question insécurité, pas gagner une solution avec crise là. Tout monde, tout secteur doit chita dialoguer pour capable et résoudre crise sécurité qui gagne dans le pays. Donc, crise n'a pas qu'à résoudre en dehors d'un de dialogue qui inclut toute couche dans la société. Mais ça fait longtemps, oui, n'a pas demandé dialogue. Toujours est-il, autorités concernées sont beaucoup conscientes de nécessité pour dialoguer franchement. Parce que, je dis franchement, il y a plusieurs tentatives de dialogue qui fait déjà, mais dans le dialogue, ça a eu plus souhait et il y a bataille pour prioriser intérêt particulier au lieu que tu as priorisé intérêt national. Bon, je ne veux pas dire que l'autorité n'est pas vraiment intéressée à dialogue. Moi, je veux dire que en démocratie, le dialogue n'est pas jamais si c'est fait. Et dialogue fait à répétition et dialogue doit continuer fait. Et chaque jour, il y a deux dialogues avec l'autre, il y a deux marchés sur l'autre. On a dit qu'on a une commission qui est premier ministre qui a mis sous pied. Et la commission ça a marché en côté tout secteur dans le pays pour qu'il soit capable de jouer une sortie dans la crise. Là. Et moi, encourager tout acteur dans le pays à chiter ensemble pour qu'il soit capable de jouer une solution. Et Ariel lui-même seul pas capable de gouverner. Parce que Ariel n'a pas gagné une légitimité pour capable gérer le pouvoir lui-même seul. C'est pas dans l'élection Ariel est allé pour dire qu'il gagne le pouvoir dans même. C'est une circonstance, c'est une situation qui met Ariel côté lié à. Et c'est pas moun ki la autour qui en face Ariel n'a pas gagné légitimité populaire non plus pour capable dire et pour Ariel ba au pouvoir parce que c'est peuple qui ba légitimité. C'est peuple qui ba légitimité. Et si on monde a dit jodi a pour Ariel ta remettre et Clea ta quitté qui est monde là bas pouvoir qui est monde là pour pouvoir mais pour tout ça au parler c'est un dialogue qui pour fait entre haïtiens il faut que tout secteur d'accord chita ensemble pour que nous capable jouer nous sortir dans crise là chita avec Ariel qui sous pouvoir pour que nous capable nous sortir avec crise là moi me pense c'est plus bon moyen qui permet nous sortir de la crise là. Bon et est-ce que nous sommes capables de dire gon lueur d'espoir en ce qui concerne possibilité pour nous ta sortir de la crise là, puisque nous groupe Montana avec groupe Ariel là yo tamé et on raronde de négociation et yo entendre sur certains points. Et est-ce que optimiste par rapport à
issue au terme de cette discussion, au terme de cette négociation politique? Bon, moi, ouais, que négociation a déroulé très bien. Tout le a passé très bien jusqu'à présent. Et moi, félicite tout acteur qui comporte autant que monde responsable, et comme des leaders responsables. Et moi, félicite Kit Montana, Kit équipe Ariel Henry, Kit 11 septembre. Et moi, encourage Frère Penyo à aller chiter ensemble. Et l'autre secteur dans le pays, à aller chiter ensemble pour que nous capables. Pour que nous soyons capables de dire tête nous, mais ça nous voulons pour Haïti. Parce que trop longtemps, on a dit c'est international, international. Mais c'est nous-mêmes Haïtiens qui devons prendre destin nous en main. C'est nous Haïtiens qui devons prendre destin nous en main. C'est pour ça que nous faisons appel avec tout secteur net dans le pays. Chita ensemble, dialoguer ensemble, pour que nous soyons capables de sortir de la crise là. Parce que, en fait, dialogue qui là, pour tes espoirs. Ce n'est pas facile et. Man Yves Manuel, pour que Haïtien et bat bravo pour dialogue. Haïtien plus que dans zin, plus que dans chirépit, parce que en fait, depuis plusieurs années, agent division yo crasé pays a n'a prôné des divisions, n'a prôné des discours nègan ou nègan ba qui pas chita sous qui pas chita sous rien de positif au pays a. Et moi encourager que moun sa yo suspend avec discours sa yo, parce que discours sa yo pa prendre service à population haïtienne non, li pa prendre service avec paysan yo, li pa prendre service avec moun cité soleil qui bouquet en bas insécurité ya, li pa prendre service avec moun kwa de bouquet qui bouquet en bas insécurité ya, li pa prendre service avec diaspora qui vient entrer dans pays mais qui pas capable entrer dans pays parce que li peur. Parce que pas de sécurité dans le pays. Et moi encourager tout acteur dialoguer ensemble, serrer main ensemble, coller les épaules ensemble pour que nous capables sortir dans la crise là. C'est le problème qui gagne dans cette discussion yo, et monsieur Damio pourquoi fin météo d'accord et pour ta inclure un large éventail de secteurs dans la discussion. Bon, il y a monde qui s'y met. Et pays a besoin et support, besoin et assistance toute petite li, idée toute petite li dans cadre de recherche solution et li pa ta fin élégant pour discussion yo été seulement entre équipe Ariel et équipe Montana Foc yo ta inclus d'ailleurs il y a plusieurs l'autre instances qui gagne des propositions de sortie des crises Foc yo ta mette moun sa sous table discussion qui ont même comprendre genre de mode ça. Dialogue là doit être inclusif et il doit être fait avec un pile sincérité. Tout secteur, tout acteur net dans le pays, tout haïtien, ni ça qui a vécu sur le territoire, ni ça qui a vécu en dehors du pays, doit être inclus dans le dialogue là. Tout secteur qui est organisé, tout groupe qui est organisé, doit prendre part dans le dialogue là. Parce que vous concerné par ça qui est dans le pays, parce que vous concerné par la crise là. Grand goût qui est dans le pays a touché tout le monde. Insécurité qui est dans le pays a touché tout le monde. Ce qui a passé là, personne n'a pas épargné. Et Yves Manuel, si acteur refuse de dialoguer, ce qui a venu là, a plus grave. Et personne n'a pas capable d'empêcher le rivier. Seule façon pour empêcher le rivier, c'est chita sous table dialogue là, pour nous venir sortir de la crise là. Parce que nous pourrions aller vers une explosion. Et ça qui va coûter cher avec ni acteurs politiques, ni acteurs économiques, et ni population qui est innocente. Parce que là, ça pourrait gagner une révolution qui va faire dans le pays, qui pourrait dire, la population pourrait dire au bouquet, il n'est pas capable encore. Et là, ça, le peuple là pourrait prendre des stèles en main. Et là, ça, qui est-ce qui va être victime? C'est moun dans secteur économique là, c'est moun dans secteur politique là, c'est classe politique traditionnelle là, c'est yo qui toujours là, qui pas bay espace assez avec jeunesse là, qui pas bay espace assez avec femme yo, qui pas bay espace assez avec paysan yo. Jodi a dialogue là doit inclusif, il doit inclure tout secteur,
le pays. Vous sortez allé à Monel Jean et ou en désaccord à si la yo cap mandé départ premier ministre Ariel Henry pour absence de résultat puisque un an près d'un an sous pouvoir et un ensemble de tâches que l'été doué accompli malheureusement et li pas accompli yo mon yo estimé li échoué meilleure façon hein, c'est à et rendre que li en fait et pas capable encore rendre compte que le pas capable encore et remettre clé pour permettre de l'autre groupe monde qui gagne de vision pour pays a et vienne prendre un pays a pour qui ça ou même ou pas d'accord à ce que Ariel Henry il t'a démissionné et faciliter la tâche à d'autres personnes. Nous avons une question à poser mon ça yo. Remettre clé à qui est-ce? Remettre clé à qui est-ce? Parce que je dis à la crise qui gagne la constitution pas de prévoir crise. Et pas gagner une constitution pour permettre pas possibilité pour que nous jeunions issue dans crise ça qui là. Maintenant, le fait que constitution pas possibilité ça, c'est dialoguer pour nous dialoguer ensemble. Mais si vous pas d'accord avec Ariel Henry, c'est alchita sous table là avec Ariel Henry, discuter avec lui, avancer arguments qui solides, qui fondés pour dire 1 2 3 4 ou pas capable de diriger. Et c'est dans le dialogue ça a gagné une solution qui a sorti. Mais si vous dites Ariel Henry pas capable et puis ou pas d'accord avec Chita dialoguer avec lui pour expliquer qu'il n'est pas capable. Mais so, comment ça va le faire? Comment ça va le faire pour que ou dit mon avec Léa, est-ce que Ariel Henry il pourra agir comme un monde qui irresponsable pour voir Léa dans la rue pour ne pas monde prendre Léa entre dans primature. Moi, je crois que le dialogue, c'est seulement issu. Et camarades, frères et sœurs, qui peuvent rejoindre ce dialogue-là, et les bons, la population haïtienne n'a pas de yo, chita sous aller sous ce dialogue-là, et parce que c'est celle-là qui permet de nous une solution avec la crise. La population fatiguée, nous manifester. La population fatiguée, nous bouler caoutchouc. Parce que ça n'a pas de résultat. Mais en fait, tout, Ariel Henry doit comporter comme responsable dans ce pays. Et il y a un peu de monde qui estime que le Premier ministre Ariel Henry, par façon que la page, c'est temps, l'a fait passer pour qu'il soit capable de perpétuer davantage au pouvoir. Et dans lecture pao et est-ce qu'on estime que qu'on volonté réelle de la part du PM pour que nous ta vini joindre une solution à crise, est-ce que ou pas partager l'idée qui t'a laissé comprendre que Ariel Henry a fait tant passer juste pour le perpétuer le pouvoir? Bon, m'a pas dit ça parce que moun sa k'ap di sa pa k'ap prouver ça tout. Vous imaginez un bagaille, vous dites. Mais nous ne sommes pas capables de supposer, nous ne sommes pas capables d'imaginer. Donc, est-ce que vous assumez ou même vous pensez Ariel Henry il fait œuvre qui vaille? Jusqu'à la preuve du contraire, moi constater que Ariel lance dialogue. Moi crois que il est de bon ton pour tout acteur dans le pays. Vin stop dialogue là pour discuter, dialoguer avec Ariel Henry. Qui ça qui t'a donné et priorité des priorités dans cette discussion ça qui sont à souhaiter monsieur mettez accent et pour ta joindre en solution et consensuelle que pays a attend dans mais question insécurité fondamentale pour peuple là. Question élection fondamentale pour peuple là. Parce que, en fait, nous avons besoin des dirigeants qui sortent dans l'élection. Et moi, je crois que moi, j'ai un petit désaccord avec quelques acteurs dans le pays qui a parlé de réforme constitutionnelle. Moi, pas crois qu'un pouvoir de transition a une légitimité assez pour capable de faire une réforme constitutionnelle ou bien changer la constitution, j'ai envie de faire là. Et
Moi, je crois que c'est un monde qui gagne légitimité, qui a confiance. Mm-hmm. Population hein, qui est capable d'entamer un tel processus. Moi, encourage les acteurs qui se pouvoient et les acteurs qui ont dialogué pour mettre l'accent sur la sécurité. Hein, mm-hmm. Qui c'est parce que la population a besoin de vacuer à l'occupation, qui c'est priorité de la population. Hein, et mettre l'accent aussi tout sur la question du chômage qui est dans le pays. Hein. Mais en fait, la transition n'est pas capable de résoudre le chômage là. Mm-hmm. Mais le programme assainissement capable de permettre, le programme social capable de permettre de nous soulager, miser le peuple là. Mm-hmm. Parce que les gens dans Cité Soleil, les gens dans Croix des Bouquets, dans tout le pays, jalousie, matissant, ils ont un grand coup de yo, un grand coup de dans pile. Ils sont pas capables encore. Et pas gagner travail dans le pays. Là. Mais pour gagner travail, tout faut gagner bon gens sécurité. Pour gagner sécurité, faut gagner dialogue. Tant que gagner crise politique, tant que gagner crise sociale, c'est crise politique yo, crise sociale yo, qui crise sociale soit découle de crise économique. Depuis gagner crise économique, après gagner crise sociale, sûrement. Mais pour tout ça résoudre, faut qu'il y ait un dialogue qui fait dans le pays. Et un dialogue surtout manuel, qui est sincère. C'est bon, on dit que mesdames, côté, on a tourné en haut, on a fait jouer malice, à bouki. Nous voulons un dialogue qui est sincère. Et Ariel Henry doit vous un signal clair à la population haïtienne qui est le bon côté. Ariel Henry doit montrer à la population haïtienne qui est le bon côté et qui est le monde qui est responsable. Ils sont dirigeants qui sont responsables. Moi, quoi que Ariel soit monde qui est responsable. Je crois qu'il y a des gens qui sont responsables. Mais je souligne attention, Emmanuel. Je dis là, nous avons un pouvoir qui gagne des acteurs et que la population n'a pas fait confiance. Et gagne des acteurs au niveau ULCC, gagne des acteurs au niveau UCREF, gagne en pile l'autre côté dans l'État et ministère intérieur, ministère de justice. Et police là de crier dans yeux population hein. Yo pas fait police la confiance parce que en fait police là gangsterisé parce que en fait et police là jodi a là et police là pas gain différence entre police là et bandio les populations en ouais un policier li pi peur que les li ouais un groupe armé. Moi crois que gon travail qui gain pour faire dans société a et premier ministre là qui c'est chef CSPN qui gont travail pour le faire avec directeur police là pour capable remettre confiance et faire population gagner confiance dans police là. Mm-hmm. Parce que population pas faire police sa confiance et pas capable gagner sécurité sans pas gagner sécurité en dans police là. Mm-hmm. Ça pas gagner confiance justement et au souligner tout à l'heure et faut que c'est tout petit pays qui dialogue dans genre situation est là et constitution pas capable réponse ça donc c'est dialogue c'est un consensus et est-ce que ou d'accord pour nous rester dans monocéphalité un gouvernement en seule tête là bon dans cadre discussion ça est-ce que ou bien ou t'as souhaité quand même négo entendre sous possibilité pour nous gagner un exécutif bicéphale. M'ap d'accord avec toute solution qui a sorti dans le dialogue sincère qui doit faire tout. Quelle que soit la solution qui sorti dans le dialogue qui a fait là, depuis qu'il reflète la position majorité haïtienne, depuis qu'il reflète la position, il reflète le besoin. Population haïtienne non on est d'accord avec lui je dis à on va arrêter dire comme ça que si on d'accord bicéphale si on d'accord avec monocéphale c'est dialogue là qui a dit qui ça nous tomber d'accord sur lui. OK moi comme acteur politique comme acteur qui souterrain on pas capable de dire pas d'accord monocéphale moi d'accord avec bicéphale on va quoi ça
moi quoi de préférence c'est dans chita ensemble pendant nous chita ensemble n'a dit mais ça nous d'accord mais on d'accord avec et Monel Jean et au grand ouais et il y a une discussion qu'a fait et puis chaque nèg gain petite solution par non pocho et yo pas veut transiger vous comprennent et c'est ça qu'il faut à chaque temps gain échec dans discussion comme si nèg a une idée toute faite il pas veut pour idée ça yo débattre li il veut pour l'imposer et l'autre groupe là lui-même n'est pas d'accord donc maintenant faut que t'a gagné qui j'aime dire qu'a dit ça au minimum de dépassement hein de la part de ces acteurs oui justement que yo pas fait vraiment nèg la préférable des ça le croit ça le gagne comme solution faut que c'est lik passé youn pas veut transiger donc est-ce qu'on pense cette fois-ci nèg yo a pas la hauteur hein conseil de sacrifice hein pour faire pour nation hein? Dans perspective pour nous aller parce que tout temps pas qu'à jeune consensus nous pas qu'à mettre d'accord sur ensemble de points donc n'a prêté là et population qui dans misère là l'a continuer rester dans misère donc pays a pas fini chaque jour alors que acteurs yo te ka font minimum comprendre de sacrifice pour permettre nous avancer et nous sortir dans situation difficile nous y là bon moi encourager acteurs yo pour comporter yo comme leader responsable comporter comme leader responsable, yo pas dwe chita sou intérêt miskin yo. Yo dwe d'abord garder besoin population an. Yo dwe d'abord garder cri, tande cri population an. Parce que population an dit fatigué. Population an prend otage par groupe gang dans tout pays a. Ça, c'est ça population a mandé dirigeant yo. Population a demandé liberté pour circuler dans pays là. Population a demandé manger pour capable manger. Population a demandé en fait pour que gagne bon gens élection qui fait dans pays là. Pour que bon gens élection faut que bon gens KAP. Pour que bon gens KAP faut bon dialogue qui fait sincère et faut que chaque acteur d'accord fait mea culpa. Faut que chaque acteur d'accord mette intérêt par aux deux côtés. Et mettez intérêt peuple là au centre des choses. Mais ça population mandé acteur yo. Jodi a Mgadzou et Manuel. Ou capable même j'ai avec moi. Ouais que population haïtienne n'a pas jamais voté au monde qui sorti dans classe politique là. C'est parce que en fait, yo pas fait vraiment aucun acteur, aucun politicien haïtien confiance dans pays là. Parce que politiciens ça ou pas jamais agir comme des responsables mais on croit que son chance que on gagne devant là pour prouver que yo c'est des acteurs responsables yo c'est des acteurs qui yo c'est des leaders qui soucient de bien-être peuple là et yo pral poser des actions de bonne foi et action ça yo population là avec plume ni la prend note. Bon, maintenant en ce qui concerne le renouvellement et bureau mandat bureau intégré des Nations Unies dans le pays a et qui genre ou analyser décision ça. C'est le renouvellement de l'échec continu. Ça veut dire qui ça? Ça. Soit les dans résolution et conseil de sécurité a pour une résolution. Soit dans l'article 1, on va parler de sécurité et élection et renforcement système système judiciaire et réduction groupe gang yo. Mais en fait, tout pays a ouais que il parle de stabilité politique et on pourra ouais que pas gagner dans ça qui dit là yo qui est binu. Et arriver réellement il fait et une plus gros service qui est bien nu à une population hein, c'est que les dix qui sont coalition gangueuse sont pour bagarre au pays là et ça qui dommage ça qui est regrettable pour population hein, qui c'est comme ça bien nu pour bagarre
moi crois que Binu pas gain rien réellement qu'il capable faire sans que société civile là, classe politique là, élite intellectuelle pays là pas décidé et prend des saint pays en main. Binu pas capable faire ça pour nous. Binu pas capable porter progrès pour nous. Binu a défendre intérêt international là. Nous pas intérêt à Haïti. Mais c'est nous-mêmes haïtiens qui pour dire Binu, mais ça nous voulait. Mais en fait Binu agit sans nous. Il pas agit dans intérêt nous. Je dis à moi-même, moi crois que nous devons, nous-mêmes haïtiens, jouer une solution avec le problème pays et laisser l'international là accompagner nous réellement sur le progrès. Mais si nous refusons nous-mêmes pour le progrès, l'international là va pas pour nous. Donc, c'est-à-dire, au pas quoi que. Avec mandat ça et décision ça qui prend, ça capable d'aider à renforcer la police nationale, aider la police à démanteler les gangs qui a des problèmes partout dans le pays. Binu t'es toujours là depuis quelque temps, et là je dis dans le pays. Ou abda quoi avec moi que une ça pas jamais fait. Question et police là renforcer police là, système judiciaire et moral du bagage. Pendant bien une la souterrain, instabilité politique là, monté mais routé. Binu en bas gel là, il a assassiné un président sous pouvoir. Jusqu'à présent, Binu pas fait une enquête, pas fait un rapport sur ça. Pour quelle raison? Hein? Côté équipe enquêteur Binu, jusqu'à présent. Binu pas encouragé que gagnent yon processus et gagnent une accélération dans dossier ça. Mais en fait, Mbradou Manuel qui jodi a et moi-même comme jeune garçon café politique, moi crois que si que nous ta font petit coup de garder histoire, ça t'est passé dans pays Chili. Nous capables de comparer l'accent qui passe en Haïti. Et la question du Salvador Allende. Salvador Allende qui était président Chili, qui était élu en novembre 1970. Et monsieur, c'est un bourgeois. Monsieur, médecin, un bourgeois médecin. Monsieur, participer dans la vie politique pays et monsieur pral bon parcours politique, monsieur pral participer dans création parti social socialiste chilien et monsieur pral pral vinn député, li pral vinn et ministre et monsieur pral vinn rive secrétaire général parti social socialiste chilien et monsieur pral au pouvoir. Côté que monsieur t'a pas fait une révolution, pas les unes. Et monsieur mourit. Mais, là, il a attaqué le président. Le Pinochet attaqué, encerclé par l'air. Président mourit. Mais après ça, il a été attaqué tout partisan, monsieur. Mais ce qui va être bizarre pour moi, c'est que Jovenel Moïse mourit la Kaili et que malgré M. mourit la Kaili, après, il y a premier ministre qui dit tout le bagage sous contrôle. Pas de ministre, un directeur général qui panique. Mais l'obgarde des révolutions cubaines, révolution sandiniste, révolution et chilienne qui fait avec Salvador qui était campé dans route. Mais moun sa yo l'op gade partisan et Salvador yo était persécuté. Maintenant, si que
président mouri, pas comme ministre qui courait quitter le pays, pas comme ministre qui était paniqué. Dans le moment, ça veut dire, ça veut dire. Et je dis, et moi, j'ai une grosse différence pour que je ne me dise pas que, avec les gens qui étaient toujours venus ici, comment se fait-il que vous êtes sous pouvoir, vous êtes chef CSPN, ou tu es là pour te comme si garantir sécurité population y compris ce qui était président ou pas arriver faire jodi a demander justice pour lui. Oui, nous voulons justice pour président, mais ou même moi veux connaître tout pour qui raison ou pas assumer responsabilité. Jodi a moi quelque faut que pas fait peuple haïtien ça. Guide nèg jodi k'ap mande justice et k'ap mande justice pour Jovenel Moïse et que tout peuple haïtien veut justice pour Jovenel Moïse. Mais guide de monde croit que et comme la justice on tient lance dossier ça, moi croit que si gon bon justice k'ap fait et gien des questions qu'il a de poser. Non parce que en fait m'a souligné pour Manuel que chaque monde gon niveau de responsabilité. Lors ces dirigeants ou ces chefs CSPN ou gen direction police là ou sous tête li ou gen ministre intérieur ou service renseignement qui à disposition l'état mit moyen à disposition comme chef CSPN ou là pour kabay population en sécurité ou échoué à mission ou pas arriver bay population en sécurité ou pas arriver non plus bay premier citoyen pays à sécurité jusqu'à ce qu'il arrive à assassiner ce pouvoir. Quelques minutes après, ou bien quelques heures après,